Les objectifs du groupe EPC sur le chantier PSA Aulnay-sous-Bois sont au nombre de 4. L'association et la mobilisation de l'ensemble des entreprises du groupe EPC pour mener à bien ce chantier. La sécurité, l'application des standards du groupe EPC, la valorisation et le tri de l'ensemble des déchets, et notamment de 14 000 tonnes de ferreux et non ferreux, le désamiantage de l'ensemble des bâtiments, et plus particulièrement du bâtiment AN02, qui représente 120 000 m² de surface au sol. Sur ce bâtiment ont été traités 20 000 m² de verrières en désamiantage manuel, et 60 000 m² d'étanchéité amiantée. Nous avons retiré une quinzaine de matériaux amiantés différemment avec 3 sociétés. Nous retrouvions notamment à peu près 30 000 m² de bardage amiante-ciment, plus de 20 000 mètres linéaires de joints de tresse sur verrière, ce qui a engendré à peu près 300 tonnes de déchets amiantés. Les 20 000 mètres linéaires de tresse amiante ont occasionné 70 tonnes de déchets. Pour l'ensemble de l'opération de traitement d'amiante du site, nous avons fait le chantier en 15 000 heures de travail. Alors la phase 4 consiste à la dépose des dallages et infrastructures des bâtiments. Elle consiste aussi au remblaiement et au compactage des fouilles qui ont été effectuées. Type de matériaux, nous avons recyclé 14 000 tonnes de ferraille, alors acier ou non ferreux, dont 60% ont été cisaillés sur le site afin d'être livrés directement en fonderie. La société PSA a souhaité faire appel au pôle démolition d'EPC qui regroupe à la fois des entreprises de démolition, de désamiantage et de recyclage de déchets afin d'assurer la transition du site d'Aulnay-sous-Bois d'une activité industrielle vers une activité alternative liée à la logistique. L'objectif d'EPC démolition était également de démontrer la capacité du pôle à pouvoir travailler sur un site industriel d'envergure et de mobiliser en période de pointe jusqu'à 80 collaborateurs.